Bonjour, monsieur Alexei Pouchko. Vous êtes sénateur russe, président de la Commission pour l'information et les médias. Merci d'avoir trouvé le temps pour le dialogue franco-russe et pour nos auditeurs qui suivent les actualités internationales avec beaucoup d'intérêt. Nous observons la naissance difficile pour certains du monde multipolaire. Et tout récemment, le ministre des Affaires étrangères russe, Monsieur Sergei Lavrov, s'est rendu au Conseil de sécurité de l'ONU. Et j'aimerais bien souligner quelque chose qu'il a dit. Je vais citer la traduction. Entre autres, il a souligné que l'administration Biden avait une fausse impression concernant le fait que la guerre globale toucherait que leurs alliés européens, mais pas directement les États-Unis. Est-ce que nous avons atteint la ligne rouge dans cette confrontation globale pour vous? Tout dépend de la définition de la ligne rouge, parce qu'il y a un nombre de définitions. Si nous parlons d'un conflit direct entre la Russie et les États-Unis, non, nous ne l'avons pas franchi et j'espère que ça ne va pas arriver. Si nous parlons d'une ligne rouge qui partage le monde d'antan, d'avant la crise ukrainienne et le monde moderne où cette crise a revêtu un caractère quasi global, oui, nous l'avons franchi. Donc, politiquement, nous avons franchi cette ligne rouge, militairement, non. Et je suis de l'avis que les dirigeants des États-Unis, de la Russie, doivent faire ce qui est nécessaire pour éviter de franchir cette ligne rouge militaire, parce que la confrontation entre la Russie et l'OTAN, une confrontation militaire, serait non seulement une tragédie, mais elle mènerait à une situation sans issue. Une situation où il est fort probable qu'une des un des deux côtés pourrait utiliser l'arme nucléaire, ce qui mènerait probablement à une escalation très dangereuse. Donc, je pense que les États-Unis se trompent s'ils considèrent une possibilité d'un conflit entre l'Europe et la Russie sans la participation des États-Unis. Là, je suis absolument d'accord. Et aussi, de l'autre côté, je pense que les États-Unis ont tout intérêt à ne pas laisser les Européens franchir cette ligne aussi. Autrement, les États-Unis vont se trouver dans une situation absolument impossible. Imaginons qu'il y a une attaque d'un groupe de membres de l'OTAN, de pays européens, contre la Russie. La Russie riposte. Et les États-Unis sont mis dans une situation de choix. Ils doivent ou bien considérer une réponse à la Russie conformément à l'article 5 de l'OTAN. Et dans ce cas, nous entrons dans un conflit direct militaire entre deux puissances nucléaires les plus importantes du monde. Ou, dans l'autre cas, ils disent aux Européens, c'est votre affaire, nous ne pensons pas que nous devons faire partie de cette confrontation. Et dans ce cas, c'est la fin de l'OTAN. Parce que si vous ne faites pas entrer en vigueur l'article principal de l'OTAN, le sens de cette organisation est perdu. À mon avis, les États-Unis sont extrêmement intéressés à conserver l'OTAN et toutes ces spéculations que Trump, s'il devient président, il va quitter l'OTAN, c'est absolument pas sérieux parce que l'OTAN,
C'est la base de la fondation de la puissance internationale des États-Unis. Donc c'est absolument impossible qu'un président, et personne ne lui permettra d'ailleurs de le faire, parce que le Congrès américain ne va jamais approuver une décision pareille. Donc, comme j'ai dit, la tâche principale aujourd'hui, le but principal aujourd'hui, c'est de trouver une réponse à la crise ukrainienne qui permettrait à l'Occident, à la Russie, à ne pas franchir cette ligne militaire. Et je ne vois, à vrai dire, aucune raison pourquoi l'Occident mènerait une guerre contre la Russie à cause de l'Ukraine. Je ne vois aucun gain, je ne vois aucun rationnel. Je ne vois pas pourquoi une question territoriale qui existe entre la Russie et l'Ukraine, et même la question de la participation de l'Ukraine dans l'OTAN, serait une cause pour l'Occident de commencer une guerre. D'ailleurs, une guerre à laquelle l'Europe, à mon avis, n'est absolument pas préparée. Parce que regardez qui appelle à la guerre, ce sont les petits pays baltes qui peuvent fournir, qu'est-ce qu'ils peuvent fournir? Quelques bataillons. Et c'est la Pologne. Mais la Pologne ne va jamais faire ça sans les États-Unis. Parce que les Polonais sont braves comme ils ont les États-Unis derrière leur dos. Autrement, toutes ces menaces polonaises, elles sonnent vides. L'Allemagne, recommencer une guerre avec la Russie après la Deuxième Guerre mondiale, mauvaise idée à mon avis. Et M. Macron se trouve dans une situation où il est cerné des deux côtés. Il a la droite qui est contre une guerre et la gauche, à mon avis, qui est aussi contre une guerre, enfin dans la majorité de cette nouvelle gauche qui s'est formée avant les élections. Donc, je pense qu'il y a des conditions aujourd'hui justement pour que cette ligne rouge militaire n'est pas violée par l'Occident. En ce qui concerne la Russie, le président de la Russie, M. Poutine, a déclaré plusieurs fois que la Russie n'a aucun objectif militaire envers l'OTAN, que notre problème, c'est la défense des minorités russes dans l'est de l'Ukraine, et la question de la non-participation de l'Ukraine dans l'OTAN, parce que ça présenterait une menace militaire pour la Russie. Donc, avec l'OTAN, on n'a pas de différend, je dirais. On a un conflit, mais la Russie n'a pas de prétention envers quelques pays ou territoires qui appartiennent à l'OTAN. Donc, il n'y a pas ici de base objective pour un conflit militaire. Merci de le souligner parce qu'effectivement, comme vous avez dit, la raison n'existe plus pour certains experts, plateau télé en France et notamment ce qu'on observe dans les médias alternatifs. On va revenir vers cette question. Ce qui m'intéresse aussi, c'est les pays BRICS. Vous avez participé à l'Assemblée parlementaire du pays BRICS, 9 pays dont le PIB mondial s'élève à 37%, ce qui est supérieur aux pays du G7. Notamment, quelle est votre analyse et quels sont les résultats, notamment par exemple pour la Russie? Je pense que l'importance de BRICS, c'est que c'est devenu une plateforme non occidentale, alternative à la G7. Et je veux souligner que ce n'est pas une plateforme anti-occidentale, comme il y a un nombre de pays qui ont de bonnes relations, comme le Brésil par exemple, de bonnes relations politiques, commerciales, économiques avec les États-Unis. Et comme l'Égypte qui a de bonnes relations avec les pays de l'Europe. Donc, ce n'est pas une alliance anti-occidentale, mais c'est un groupe de pays qui considèrent que l'ordre international
où les États-Unis se déclarent en tant que leader, en tant que le pôle principal ou bien même unique, et dépassé par les événements, que le monde est devenu beaucoup plus compliqué, que l'Occident ne peut plus diriger le monde. Je pense qu'il y a beaucoup de raisons pour affirmer ça, comme l'Occident était la force dirigeante du monde depuis 500 ans, depuis la découverte de l'Amérique. Donc il est grand temps de changer de mode de vie. Et c'est ça la chose la plus importante et qui inquiète le plus l'Occident, que autrefois il y avait quelques pays qui lançaient un défi à la domination américaine. C'était l'Union soviétique, c'était la Corée du Nord, c'était l'Iran, mais tous ces pays étaient divisés. Puis plus tard, c'est devenu la Chine dans le domaine économique au moins. Mais ils n'avaient pas de plateforme commune. Le BRICS, en tant qu'organisation, c'est une plateforme commune pour tous les pays qui veulent être souverains, qui se prononcent pour un nouvel ordre mondial et qui sont contre ce fameux Rules-Based World Order, l'ordre mondial basé sur les règles qui sont établies à Washington. Je ne vois pas pourquoi d'autres pays seraient automatiquement d'accord avec les règles qui sont établies par la Maison-Blanche. Je pense que le BRICS a une très grande perspective, justement parce qu'il représente cette nouvelle tendance. D'une nouvelle répartition de l'influence, de la puissance économique dans le monde contemporain. Et aussi, ce qui, à mon avis, irrite le plus et dérange le plus les capitales occidentales, c'est que les chiffres ne sont pas de leur côté. Vous voyez, parce que vous pouvez donner un nombre d'interprétations. Qui est le plus fort, et ainsi de suite. Donc, vous avez bien noté que, en jugeant par le PIB, calculé par ce que les Anglais appellent Purchase Power Parity, des pays du BRICS excèdent déjà de presque 9% le PIB des pays de la G7, ça, c'est un signal très, très sérieux pour eux. Ils s'accrochent au chiffre nominal. Ils disent que mais nominalement, le PIB américain excède le PIB de la Chine. Mais tout le monde comprend très bien que le poids sur cette balance globale a changé. Le poids a changé du côté du monde non occidental, ce que nous appelons, et pas seulement nous, mais aussi quelques hommes politiques français, ils ont absolument raison. La majorité globale. Le BRICS, c'est la majorité globale. La G7, ça devient une minorité globale, avec une grande puissance, oui, avec beaucoup de richesses, avec l'OTAN en tant qu'organisation militaire qui a une puissance importante militaire, mais tout de même, la G7 devient minoritaire dans le monde actuel. Et les chiffres le prouvent. Et la tendance est là. Et ça ne va pas changer. Et donc, je pense que le BRICS, qui il y a une quinzaine d'années a été recueilli avec un certain sarcasme et une ironie dans les médias occidentaux, aujourd'hui, il est considéré comme un vrai défi pour l'Occident. Et si on regarde encore une fois, les chiffres, par exemple, les taux de croissance économique, c'est incomparable. Ce qu'on voit en Europe, mais c'est des pleurs, comme on dit en Russie, parce que 0%, moins 0,3%, plus 0,5%, mais c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Les pays du BRICS démontrent un taux de croissance absolument supérieur aux pays de la G7, où seuls les États-Unis. Seuls les États-Unis ont une économie qui monte tout de même au niveau
2% et demi, mais tous les autres pays sont près de zéro. Donc, je pense que justement, c'est la première fois dans le monde actuel où on ne voit pas cette prépondérance de l'Occident garantie. Elle ne peut plus se reproduire. C'est la fin du chemin. Ça ne veut pas dire l'écroulement du monde occidental, mais ça veut dire son affaiblissement relatif et l'apparition de nouveaux centres d'influence et de puissance économique et de puissance politique qui vont mener à une nouvelle répartition de la puissance dans le monde entier. Pour revenir au contexte international de tension, il y a plusieurs signaux inquiétants. Après, on peut les interpréter ou pas, mais par exemple, la mort du président iranien, la tentative d'assassinat du président slovaque et la toute récente tentative d'assassinat de Donald Trump. Est-ce qu'on doit se poser de bonnes questions? Est-ce qu'on doit chercher des explications à ces événements? Ah oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Vous savez, dans la politique internationale, peu de choses sont fortuites. Il y a toujours une logique. Et quand il y a une grande crise, cette crise est accompagnée par un nombre d'événements qui peuvent sembler, comment dire, qui peuvent sembler à des événements isolés l'un de l'autre, qui se produisent dans des pays différents, dans des conditions différentes, mais au fond, ils sont très liés parce qu'ils témoignent d'un approfondissement de la crise globale, du système global. Est-ce que la tentative d'assassinat d'un candidat à la présidence américaine pourrait se passer il y a une trentaine d'années où les Américains étaient le pays numéro un incontesté, la super puissance, indispensable country, le pays indispensable, et tout ça? Non, parce que l'enjeu n'était pas là. L'enjeu, c'était de promulguer encore plus la domination américaine, qui le ferait Bush père ou le jeune Clinton. C'est une question de choix. Mais aujourd'hui, l'Amérique choisit, fait tout à fait un autre choix. C'est ou bien c'est la continuation d'une politique d'un globalisme agressif qui a été conduit par l'administration du président Biden, et qui s'est manifesté d'ailleurs au Moyen-Orient, vis-à-vis la Chine, pendant la crise ukrainienne, et ainsi de suite, ou bien une politique plus pragmatique, qui mènerait, mettons, à ne pas dépenser la richesse nationale américaine pour des guerres étrangères, mais de se concentrer plus sur les États-Unis eux-mêmes, parce que les États-Unis intérieurement sont en état de crise. Et c'est manifesté par plusieurs choses, par le côté social, où il y a une dégénération de la vie urbaine, par exemple, très importante, par la condition des chemins de fer, par beaucoup d'éléments qui nous démontrent que les États-Unis deviennent un pays vétuste, un pays qui a une dette de 37 trillions et demi de dollars, mais c'est une dette qui ne peut pas être rendue. C'est une dette éternelle et elle va toujours monter. Donc, c'est une crise à l'intérieur des États-Unis qui a mené à cette tentative d'assassinat. C'est pas à cause du Vietnam ou de la Corée du Nord ou de la Chine, ça n'a rien à voir. Ou bien il y a cette théorie tout à fait absolument artificielle que c'est Iran
Qu'est-ce que l'Iran a à faire dans toute cette histoire? Ce sont des fantaisies qui sont développées par les médias américains, parce qu'autrement, ils doivent admettre que les États-Unis sont divisés en deux parties, que la nation unie n'existe plus, que tous ces appels, nous devons nous unir après cette tentative d'assassinat contre Donald Trump, mais c'est impossible, ils ne vont pas s'unir. Parce que, par exemple, les démocrates ont déjà lancé un hashtag How have you missed? Comment est-ce que vous avez manqué la cible? Et puis, il y a des types à la télé qui disent, mais la prochaine fois, au moins, peut-être, ils vont le faire. Non. Donc, c'est une nation divisée irréparablement. Cette division, c'est un fait de la vie américaine, et c'est pas Trump qui va ressouder la nation, c'est pas Biden qui peut ressouder la nation, personne ne peut ressouder la nation. Et récemment, je pense en avril, une série télévisée est apparue à la télévision américaine qui s'appelle La guerre civile, aux États-Unis. Bon, je ne parle pas du scénario, ça n'a pas d'importance. Il y a une vingtaine d'années, une série Comme ça. parlant d'une guerre civile aux États-Unis aurait été impossible. Impossible. Mais là, comme disait Karl Marx dans le 19e siècle, qu'il y a un spectre du communisme qui vole sur l'Europe, il y a un spectre de guerre civile qui est en train de déranger l'Amérique. Et ça répond à une logique très profonde. Et ce qu'on a vu voilà, ces jours-ci, ces tirs de fusil sur Trump, mais c'est une guerre civile. C'est, bon, des assassinats, oui, mais c'est une démonstration du potentiel de la guerre civile aux États-Unis. Les premiers coups de feu ont été déjà tirés dans cette guerre civile. Parce que les forces qui ne veulent pas que Trump vienne au pouvoir manquent de moyens de l'arrêter. Et donc, c'est le seul moyen. Dans les années, pendant la dernière élection de 2020, ils ont utilisé des interventions massives dans le processus électoral. C'est bien connu avec tous ces bulletins faux et tous ces gens qui sont venus des cimetières pour voter, bien qu'ils sont morts déjà à 150 ans, et Ça enfin tout rappelle ça. Gogol, pratiquement. Oui, justement, oui, mais il paraît que cette fois-ci, ça ne va pas marcher. Et donc, ceux qui ne veulent pas qu'il vienne au pouvoir, ils commencent à utiliser des méthodes d'une guerre civile. Donc, cette guerre civile a déjà commencé. Et ce qui est important, c'est que tous ces éléments montrent que le monde occidental, et je soutiens cette notion, le monde occidental a perdu l'équilibre social nécessaire pour être une force dominante ou une force dirigeante dans le monde. S'il y a des gens qui tirent sur un premier ministre en Slovaquie parce que les médias ont monté une campagne de haine contre Robert Fico à cause de son attitude envers l'Ukraine et la politique de l'Union européenne, ça démontre un mal profond dans la société, non seulement slovaque, mais dans la société européenne. Si au Moyen-Orient, pendant cette guerre qui est menée par le Premier ministre d'Israël, M. Netanyahou, contre le peuple palestinien à Gaza, si ça coïncide avec la chute d'un hélicoptère du président iranien, c'est en quelque sorte, peut-être que la raison était purement technique, mais on ne sait pas. Ce que l'on sait, c'est que ces attentats et ces morts, ils se suivent. Et donc, il y a une certaine logique à ces événements. Donc, éliminer l'adversaire devient le seul moyen, enfin pour ceux qui sont derrière ces tentatives d'élimination, de gérer une crise. Et c'est justement ce qui mène à de grandes guerres.
C'est justement ce qui mène à de grandes guerres. Ça veut dire que le système occidental ne trouve pas de force intérieure pour amortiser les contradictions de ces sociétés, soit politiques, sociales, ethniques ou autres contradictions. Et donc, c'est pour ça que je pense que la menace principale aujourd'hui vient du monde occidental. Elle ne vient pas de la Chine. La Chine est stable. Elle ne vient pas de l'Inde. Oui, il y a des conflits intérieurs, mais pour le monde extérieur, l'Inde ne représente aucun danger. Le danger ne vient pas de la Russie, parce que pour la Russie, la question principale, c'est de trouver une solution à la question ukrainienne qui répondrait à notre besoin de sécurité. Donc, voilà, il faut chercher les raisons de ces événements tragiques et dramatiques. Il faut les chercher à l'intérieur de l'Occident, non à l'extérieur. Pour revenir à la relation franco-russe, puisque nous sommes au dialogue franco-russe et les auditeurs qui nous regardent s'intéressent particulièrement à cette relation, ils tiennent beaucoup à cette relation. Le divorce est prononcé, le mal est fait, il est même consommé, je dirais. Le langage de la guerre froide, en fait, est omniprésent dans les médias mainstream. Cette peur est maintenue un petit peu partout depuis quand même un certain temps. Les résultats des législatives montre que la plupart des Français ne trouvent pas, ne considèrent pas que l'Ukraine reste leur intérêt vital pour eux dans leur vie quotidienne. D'après vous, combien de temps cette peur peut encore durer? Parce qu'il y a quand même une partie de la population, effectivement, considère la Russie comme une menace. Je pense que nous sommes dans une situation plus dangereuse que pendant la guerre froide. On parle souvent dans les médias de la nouvelle guerre froide. Je pense que c'est un nouveau type de guerre froide. Je l'appelle la guerre glaciale. Parce que pendant la guerre froide, il y avait des contacts, il y avait des pourparlers. Khrushchev rencontrait Eisenhower et Kennedy. De Gaulle venait en Union soviétique. On avait des contrats avec les Allemands, les Italiens, et ainsi de suite. Et maintenant, c'est la grande déchirure, c'est la grande division. Et l'Occident a déclaré une guerre glaciale à la Russie. Et c'est comme s'il nous disait que la Russie qui existe aujourd'hui ne va pas être acceptée par l'Occident. C'est un peu ça. Tandis que du temps de la guerre froide classique, on nous disait que on va vous faire une bataille politique, idéologique, et ainsi de suite. Mais bon, vous êtes là, il y a les Jeux Olympiques à Moscou, aux États-Unis, nos équipes de football jouaient au championnat de foot en Europe en 1960, quand il y avait la guerre froide. Donc, il y avait beaucoup de contacts, il y avait beaucoup de commerce, il y avait beaucoup de contacts sportifs. Festival de films, culture, machin. Aujourd'hui, il n'y a presque rien. Presque tout a été éliminé des relations entre l'Europe et la Russie. Donc, je considère que c'est une situation beaucoup plus dangereuse parce que l'Europe s'est fixé un but qui ne peut pas être atteint. C'est la destruction de la Russie dans la forme dans laquelle elle existe aujourd'hui. Il voudrait quelque chose d'autre. Mais ça n'existe pas. Et ça ne va pas exister parce que la logique intérieure de la Russie démontre que le pays n'est pas en état de crise. Le pays démontre un taux de croissance assez important de 3,5% chaque année. Le pays n'a pas de dette importante extérieure. La balance commerciale est positive. Donc, on dépense moins que l'on ne gagne dans notre commerce extérieur. Il n'y a pas de démonstration d'instabilité sociale. Et donc, vous voyez que Moscou, je pense aujourd'hui, est peut-être la ville la plus calme en Europe. Ça se peut. Et le pays est en train de se développer. Oui, on a changé de vecteur. Autrefois, le vecteur prépondérant, c'était
le vecteur occidental. Maintenant, c'est la Chine, c'est l'Inde, c'est hein, le Vietnam, c'est le monde arabe, c'est l'Arabie saoudite, ainsi de suite. On a changé de vecteur, mais ça n'a pas sonné le glas de l'économie russe. Donc, à mon avis, l'Europe devrait changer de but. Parce que nous, on ne se considère pas comme un but de changer l'Europe pour en faire quelque chose que nous allons nécessairement aimer. Ce n'est pas le but. Le but pour nous, c'est que l'Europe n'avance pas jusqu'à nos frontières en admettant l'Ukraine dans l'OTAN. C'est un but assez limité. Le but européen, c'est de changer de régime en Russie. Donc c'est un peu différent. On peut changer de régime en France. Ce Les n'est pas Français tout à fait peuvent égal. s'en charger eux-mêmes s'ils veulent le faire. S'ils veulent conserver M. Macron jusqu'à la fin des temps, bon, c'est leur choix. Ce n'est pas à nous de dire aux Français ce qu'ils doivent faire. Donc c'est l'Europe qui doit changer de but. Et il y a des forces en Europe qui, à mon avis, sont d'accord avec cette idée, comme M. Orban, par exemple, qui a accompli cette mission de paix et qui dit que ce que je veux faire, je veux prévenir une grande guerre en Europe. Il veut sauver l'Europe d'elle-même, de ses dirigeants actuels. Et d'ailleurs, pour être franc, parmi les dirigeants actuels européens, je ne vois pas vraiment de personnages de grande envergure. Je vois des gens qui répètent les mêmes choses, qui sont extrêmement banals dans leur jugement, qui n'ont aucune idée originale, qui poursuivent ce fantôme de défaite stratégique de la Russie. Est-ce qu'ils ont regardé la carte un instant, enfin une carte géographique, pour qu'ils voient un peu, comparent un peu les dimensions de la Russie et comment est-ce qu'ils vont accomplir cette défaite stratégique de la Russie, c'est infaisable. Je suis de l'avis que les processus intérieurs en Europe vont mener à une évolution de la position européenne, aussi peut-être les processus aux États-Unis. Parce que ce conflit en Ukraine ne correspond pas aux intérêts objectifs des Européens. C'est pas un conflit qui les concerne directement. C'est un conflit qui est considéré existentiel par l'élite libérale dirigeante de l'Europe, qui a peur que si elle perd dans ce conflit contre la Russie, ses positions vont être affaiblies à l'intérieur de leur pays eux-mêmes. Et ils vont être changés par des gens qui représentent d'autres courants politiques, ce qui est absolument inconcevable. Ce qui ne serait pas une tragédie pour l'Europe, mais ça sera une tragédie pour justement ces milieux libéraux dirigeants. Ils ont mis tout ce qu'ils ont sur cette guerre en Ukraine. Les gens qui ne savaient même pas où se trouve Kiev, aujourd'hui nous disent que, ah voilà, comme disait M. Attal, je pense, à l'Assemblée nationale, et du fond de mes tripes, je crie vive l'Ukraine. Il y a un problème avec ces tripes ou quoi? Donc ça nous fait vraiment un peu. Ça produit une impression assez bizarre, je dirais. Pourquoi cette obsession avec l'Ukraine? Mais si on regarde un peu en profondeur, on voit que ce n'est pas une obsession avec l'Ukraine, c'est une obsession envers le pouvoir. Ils veulent conserver ce pouvoir qu'ils exercent en Europe. Ils veulent construire une Europe qui leur convient, une Europe oligarchique par définition, et à mon avis antinationale, une Europe qui ne. Correspond pas aux intérêts de la majorité des habitants de l'Europe, mais correspond aux intérêts de cette élite globaliste qui aujourd'hui est en train de diriger l'Europe. C'est pour ça que l'Ukraine est, pour eux, c'est existentiel. S'ils perdent dans ce conflit, leurs positions seront évidemment affaiblies et on voit qu'il y a d'autres forces qui peuvent venir au pouvoir et. Qui peuvent changer de conception, de modèle même, réconsidérer certains éléments qui sont vus comme immuables aujourd'hui, les valeurs et ainsi de suite, dans l'Europe euro-atlantique et libérale du moment.
Je ne pense pas que la Russie va changer de position sur ça, parce que ça se passe sur nos frontières. Mais ça ne se passe pas sur les frontières du Portugal. Ça ne se passe pas sur les frontières de l'Espagne, de l'Italie, de la Slovénie, de la France, de la Belgique. Donc, c'est un conflit artificiel qui est fait, qui est dépeint comme un conflit national, qui a une importance énorme pour la France. Et là, on arrive à la question clé. Seymour Hersh, que vous connaissez bien, journaliste d'investigation, affirme que Zelensky est soumis à de fortes pressions pour mettre fin au conflit, sachant que, et là, je répète souvent lors de nos conférences et nos interviews, qu'en mars 2022 à Istanbul, cet accord de paix aurait pu être possible, mais il a été saboté par les États-Unis et la Grande-Bretagne surtout. Est-ce qu'on est arrivé maintenant au moment clé pour une négociation? Je pense que pour le moment, tout de même, il y a encore une illusion en Europe, surtout à Bruxelles et aussi à Washington, que la livraison de nouvelles armes à l'Ukraine peut changer la corrélation des forces entre la Russie et l'Ukraine. À mon avis, c'est une illusion, parce que même 4 ou 5 dizaines de F-16 ne vont pas changer la composition des forces militaires de la Russie et de l'Ukraine. La Russie est tout simplement beaucoup plus puissante. Mais comme le parti potentiellement perdant, l'Occident s'agrippe à quelques espoirs qui sont liés à la possibilité de porter des coups à la Russie qui seront ressentis par le côté russe et qui, comme il espère, dans l'OTAN, dans l'Union européenne, qui pourraient mener la Russie à changer de position sur le règlement définitif de la crise. Je pense que c'est un peu ça le calcul, qu'en fournissant les nouvelles de portée importante à l'Ukraine, en leur fournissant les avions F-16 et quelques nouveaux matériels modernes dans le domaine des armements, ils peuvent faire un changement au front et peut-être mener un changement de la position russe sur la crise. Je suis absolument sûr que ça ne va pas arriver. Je pense que ça va prolonger les actions militaires, justement parce que le temps de comprendre que ça ne va pas changer les choses. Mais à un certain moment, ça va venir à une fin. Parce que cet affrontement militaire, c'est un impasse. L'Ukraine ne peut pas reconquérir les territoires qu'elle a perdus. L'Occident, à moins que l'OTAN ne dirige ses troupes en Ukraine pour combattre directement la Russie, l'Occident ne peut pas influencer cette situation, même par la livraison de quelques avions ou de quelques nouvelles fusées. Si l'OTAN dirige ses troupes, ce qui, à mon avis, est extrêmement douteux, parce que ça engendrerait, comme j'ai déjà dit, une menace d'une guerre nucléaire, s'il dirige ses troupes, ça ne va pas, à mon avis, non plus changer la position des côtés qui sont en train de se combattre, mais ça va vraiment dégénérer dans une guerre peut-être de très longue durée, qui peut être pas trop intensive, mais qui peut
mener à une guerre, bon, non éternelle, mais qui peut durer 3, 4, 5 années, ce qui, à mon avis, n'est ni dans les intérêts de l'Europe, ni dans les intérêts de la Russie. Et ce que je ressens un peu aujourd'hui dans cette ère politique qui nous entoure, c'est que tout le monde est fatigué, à vrai dire, de cette guerre. Et quand j'entends le président turc dire qu'il faut créer à l'intérieur de l'OTAN des conditions pour commencer les pourparlers avec la Russie, je comprends que ce n'est pas une fantaisie de M. Erdogan. Il démontre une certaine nécessité de passer à un nouveau stade de cette crise. On ne peut pas rester toujours dans cette guerre où il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de perspective. Les Ukrainiens ne vont pas envahir Moscou, ils vont pas même aller jusqu'en Crimée. C'est physiquement impossible, militairement impossible. Et l'OTAN, comme j'ai déjà dit, je pense que si une décision est prise à l'OTAN de commencer une guerre contre la Russie, ça sera à la fin de l'OTAN. Parce que la moitié des pays de l'OTAN vont dire non, merci, on reste de côté, et donc l'alliance, elle perd tout son sens. Donc, je pense que aujourd'hui, les conditions sont meilleures qu'il y a une année ou une année et demie. Pour venir à une solution politique. Mais l'Occident doit tenir compte du fait que la Russie ne va pas reculer sur ces conditions. Ces conditions ont été formulées par le président Poutine, et s'ils sont acceptés comme base pour la négociation, je pense que ça pourrait changer toute la situation. Justement, dans la direction d'une sortie de cette crise, peut-être pas immédiate, ça va prendre du temps, bien sûr, mais comme je vois le développement de la situation, aussi aux États-Unis, où cette guerre est vraiment contestée, regardez ce que dit Futur le futur, potentiel. peut-être potentiel vice-président des États-Unis. Qui explique, écoutez, mais qu'est-ce qu'on a à faire avec cette Ukraine et parce que même cette Ukraine, elle peut pas être admise dans l'OTAN parce que si elle est admise, c'est une guerre avec la Russie, mais poussée dans le futur, parce que l'Ukraine à l'intérieur de l'OTAN voudrait recommencer, mais déjà avec les États-Unis, l'Allemagne, la France et tout le monde derrière son dos. Mais c'est absolument logique. Donc je pense que l'OTAN n'a pas besoin d'une Ukraine à l'intérieur, que lui donner des garanties ou quelque chose, mais pas faire l'Ukraine partie de l'OTAN parce que ça ferait l'OTAN en tant que sujet à une nouvelle guerre qui peut recommencer dans une dizaine, une quinzaine d'années. Donc, je pense qu'aujourd'hui, tout de même, il y a un certain mouvement vers la paix. Et cette mission Orban, oui, il paraît être seul, mais au fond, il n'est pas seul. Et ces élections en France, quand je vois que Mélenchon est contre l'envoi des troupes, le Rassemblement national est contre l'envoi des troupes, qui est pour? Monsieur Attal? Qui a quitté le gouvernement. Macron ne se prononce plus sur ça pour le moment parce qu'il est affaibli par ces élections. Donc je ne vois pas vraiment de force importante, à part bien sûr les grandes puissances baltes, qui voudraient commencer une guerre avec la Russie, surtout que les Baltes ne veulent pas se battre eux-mêmes. Ils pensent que ce sont les Français qui vont se battre pour eux. Voyez? Donc je pense qu'on peut regarder le futur avec un tout petit degré d'optimisme aujourd'hui. Bien sûr, si cette tendance pro-militaire, pro-guerre, s'affaiblisse un peu au moins en Europe. Parce que pour le moment, quand j'entends les déclarations de Madame von der Leyen, du président finlandais, de quelques leaders politiques polonais, je me demande s'ils n'ont pas perdu la raison. C'est très important ce que vous dites, surtout pour nous, au dialogue franco-russe, puisque nos auditeurs francophones, français, belges, suisses, canadiens,
Ils suivent cette relation malgré les hostilités, les tensions internationales. On essaie tous de s'accrocher à quelque chose. Est-ce qu'il y a un sujet, un thème, une idée qui pourrait nous faire réconcilier les Russes, les Européens, les Français? Je ne pense pas que c'est notre futur proche, malheureusement, parce que ce que j'appelle the Great Divide, c'est cette grande division qui a été faite par l'Europe d'ailleurs, faite par l'Europe envers la Russie, avec un taux de commerce qui a baissé 4,5 fois. C'était 450 millions de dollars en 2013 entre la Russie et l'Union européenne. Aujourd'hui, c'est 80 milliards de dollars tout au plus. Donc, ça a baissé énormément. Et puis, le gaz russe ne parvient presque plus en Europe, à part l'Hongrie et quelques pays du nord de l'Est. Ah, le pétrole russe, enfin, presque, ne parvient pas en Europe non plus. Donc il y a une très grande dégradation des relations bilatérales et multilatérales. Il y a cette résolution irrationnelle de l'Union européenne de vaincre la Russie via l'Ukraine par cette guerre qui ne va pas porter une victoire à l'Occident. Et donc, mais je pense que le commencement des pourparlers serait déjà un signe positif, aussi parce que à l'intérieur des sociétés, je ne vois pas cette animosité existentielle dont parle M. Macron quand il dit que la défaite de la Russie, c'est une question existentielle pour la France. Je me demande. La France va exister, quoi que se passe avec l'Ukraine. Donc, je ne pense pas que les gens en France, en Belgique, même en Angleterre, ont vraiment une haine, envers la Russie qui ferait de la sorte, qu'un rapprochement soit impossible dans 34, 40, 50 années. Je pense que c'est très politique, cette crise. C'est très politique. C'est vraiment pas, d'une certaine manière, cette division entre le socialisme et le capitalisme était plus profonde parce que il y avait justement ces deux plateformes idéologiques qui se confrontaient. Maintenant, c'est une crise surtout géopolitique et une crise autour d'un pays qui est à l'extérieur de l'Union européenne. Et donc, c'est en grande partie artificiel. Cette crise est construite par cette Ursula von der Leyen collectif qui gère aujourd'hui l'Europe. Et je ne vois pas de raison pourquoi les populations ne pourraient pas se mettre d'accord dès qu'il y a une solution politique à laquelle j'espère qu'on va arriver. Je ne vois pas de raison pour conserver cette haine qui est vraiment porté contre la Russie par les médias occidentaux, qui est d'ailleurs presque absente en Russie envers les populations occidentales, parce que les médias russes n'attisent pas d'émotions négatives envers les Italiens, les Espagnols, les Croates, les Français, les Suisses. Non. Et je connais très bien la position des dirigeants de la Russie qui disent que nous sommes en conflit avec les élites dirigeantes de l'Europe, nous ne sommes pas en conflit avec les peuples de l'Europe. C'est des choses différentes. Et je pense que ça donne un espoir. C'est que la Russie ne considère pas l'Europe comme un ennemi, mais ceux qui nous déclarent être leurs ennemis. Bien sûr, ce ne sont pas nos amis. Et ça pose un problème. Mais tout de même, il n'y a pas d'animosité parmi les Russes envers les Européens. Et à mon avis, ça donne un espoir pour le futur. Merci beaucoup, Monsieur Boutroux, pour cet échange intéressant et passionnant, et merci demain.